Ben, je suis moniteur d'atelier en ESAT. Donc, je suis sur un atelier de polyvalence. Et dans cet atelier, on peut faire diverses activités. Un atelier menuiserie où on fait essentiellement de la palette, du débit de tasseau, de la caisserie, des choses comme ça. Un atelier où on pourrait faire du conditionnement, du recyclage et diverses activités suivant ce qui nous est proposé. Et un atelier métallerie où on fabrique des tables design, des petites choses. Voilà. Là, je suis en train de faire une table. Tout ce qui nous donne une diversité pour essayer d'intéresser notre population à diverses activités et avoir éviter la monotonie dans l'atelier, quoi. Oui, casser du petit bois. Pour faire quoi? Pour faire le. Du bois chauffage. Ça, c'est quand même un nœud dans le milieu. Je peux pas casser. J'éclaire rien ici, non. D'accord. Quand on a un nœud, on le met, hop, ça part avec le crampon électrique, ça ressort de l'autre côté, dans le local, spécial pour casser avec une autre machine. Eh ben, c'est tout d'abord un métier avec une relation humaine très importante, où le contact est primordial, le dialogue, l'échange. Et puis après, c'est de l'apprentissage en fait. Voilà, on est là pour apprendre à travailler, à être autonome et à créer certains objets sur l'atelier. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Et on adore ce que tu fais. Merci. T'as vu?